on est monté par la 131 Nord. Faites 40 piles sur des chemins en garnotte. Sur le vent en arrière, les fratales bottes mais comme des marmottes. Pendant qu'on cherchait le chacal, mon oncle est tort. Une vieille baraque avec le toit défoncé, bourré de l'eau, d'insectes pis de poils d'araignée. Oh mais là, il y avait même un nid d'oiseau dans le lavabo. Puis le plancher était parsemé de moineaux. Elle va être bonne à soir dans chaque hectare. Ouvre la valise puis sort les bouteilles de porc. Et si jamais ton foie décide d'être malade, arrange-toi donc pour pas faire ça dans le plat de salade. Quand je suis dans la chambre à coucher, j'ai trouvé un gars poilu, ben vaché. Il nous a dit qu'il s'était évadé de la prison de Port-Cartier, qui se cachait ici, puis qui s'appelait Roger. Fait qu'on y a dit, viens donc trinquer dans la cuisine, quoi de mieux qu'une grosse bière, puis une bonne flopée de vin. On a mangé en silence devant le calendrier de fin de nuit, Miss January qui nous montrait son cul. À voix de bonne à soir dans chaque étang, ouvre la valise puis sort les bouteilles de fond. Et si jamais ton foie décide d'être malade, t'as pas sur le dos pour jouer à garde malade. On a commencé à prendre un coup solide, et c'est ainsi que s'entassèrent les bouteilles vides. Pendant que notre nouveau chum Roger nous contait des histoires salées, ben nous autres on riait à gorge déployée. Et la soirée allait, le son était gorlot, au même que le gros talbot était sous comme un tonneau. Ça n'a pas été long qu'on l'a trouvé à quatre pattes en nature, en train de s'ostiner avec sa vomissure. Elle va être bonne à soir dans chaque hectare. Ouvre la valise puis sort les bouteilles de porc. Et si jamais ton foie décide d'être malade, bouge-toi dans le nez puis va donc faire une petite promenade. Au petit matin, Talbot se remettait de sa brosse. Ça faisait une heure qu'il était enfermé dans les gosses. En sortant, il nous a dit, si vous allez à la toilette, je vous conseille de craquer une allumette. On s'était rendu compte, Roger s'était poussé. Avec notre char, notre linge, notre argent, puis nos clés. Heureusement, il a pris soin de nous laisser 3-4-6 packs qu'on va voir à soir, mais les gros de la chaîne. À voix de bonne à soir dans chaque temps. Ouvre la valise puis sort les bouteilles de fond. Et la morale de cette charmante histoire qui brûle trop fort s'en revient sans son char.